j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition un communiqué dont la teneur suit Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'état dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali. Fait à Bamako le 16 mai deux mille vingt-deux. Merci de votre très aimable attention.